Ah, on y va. Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Niger, le dossier du jour sera consacré à la société civile. Et au sommaire également de cette émission, l'élection présidentielle approche à grands pas au Gabon. L'heure est donc au bilan pour le président et candidat Ali Bongo. Et puis l'Algérie a été élue à la présidence de la première commission des Nations Unies chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité est tout d'abord gestionnaire santé. Il s'agit de Mokhtar Chekaraou. Monsieur Chekaraou, bienvenue. Merci, bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Samuel Gembok. Samuel, ravi de vous accueillir. Merci Amira, bonsoir. Et Malik Acher. Malik, c'est un plaisir. Merci, plaisir partagé. Bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Et nous sommes à quelques mois, voire quelques semaines de l'élection présidentielle gabonaise puisqu'elle doit avoir lieu le 27 août. En attendant, les partisans de l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dressent un bilan de ses actions menées, un bilan qu'ils estiment positif et capable de jouer en faveur du président candidat au moment des urnes. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Birama Saounera. Au Gabon, le bilan des actions menées par le président Ali Bongo Ondimba au cœur de débat quelques mois de la présidentielle. Les partisans de l'actuel chef de l'État gabonais dressent ainsi un bilan positif. Selon eux, plusieurs projets dans des secteurs porteurs ont été réalisés par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. En ces temps, on a connu des secteurs qui se sont développés. En ces temps, il y a plus d'infrastructures routières. En ces temps, il y a un peu plus de logements sociaux. En ces temps, on a fait des efforts dans le développement des industries, dans la transformation de l'économie. Et donc, de ce point de vue, oui, il y a du développement. La question du partage, est-ce que, oui ou non, il y a eu du partage? Oui, partage dans la question de la création des richesses et de leur redistribution. À travers des mécanismes comme la CNAMGS, c'est du partage, qui est une assurance maladie universelle qui aujourd'hui concerne 2 Gabonais sur 3. Pour décrisper le climat politique déjà tendu, l'opposition a appelé à un dialogue inclusif avant la tenue de l'élection présidentielle. Pour certains membres de l'opposition, des questions préjudiciables liées à la transparence électorale n'ont jamais jusqu'ici été réglées. Selon eux, cette question devrait être garantie par la mise en place d'un système électoral biométrique depuis 2013. Vous savez, il y a d'abord un premier problème de principe. Si les oppositions africaines ne doivent passer leur temps qu'à dénigrer leur propre pays, leurs États, et à ne rien proposer, ce n'est plus de l'opposition, c'est de l'obstruction. L'élection présidentielle au Gabon aura lieu le 27 août 2016. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Plusieurs membres de l'opposition ont aussi annoncé leur candidature, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. La présidentielle d'août 2016 avance à grands pas et la classe politique gabonaise se met déjà en ordre de bataille. Une bataille qui promet d'être rude. Samuel, être candidat à sa propre succession, c'est un peu à double tranchant. Soit on jouit d'un bilan capable de convaincre les électeurs, soit c'est une toute autre histoire. Selon vous, dans quelle position se trouve actuellement le président gabonais Ali Bongo? Je pense que le président gabonais a suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier et soutenir son dernier mandat. Je pense qu'il a engagé des projets qui sont importants. Il a voulu moderniser le pays, mais on ne peut pas moderniser le pays en 5 ans. Il a mis en place un plan, le plan stratégique gabonais émergent à l'horizon 2025, qui a démarré avec beaucoup d'enthousiasme. Simplement, au cours de ces dernières années, ce projet a eu beaucoup de contre-coups, notamment l'effondrement des prix du pétrole. Ensuite, les conséquences de cet effondrement, notamment sur le financement des infrastructures. Il y a eu beaucoup d'arriérés dans le financement des projets d'infrastructures, dans la modernisation de l'industrie, comme ces ministres le rappellent. Mais simplement, il faut relever qu'il y a eu volonté politique au sommet de l'État pour matérialiser tout cela. S'il n'y avait pas eu conjoncture économique internationale désastreuse pour l'économie nationale, je pense qu'il aurait pu atteindre pleinement ces objectifs-là, malgré quelques dysfonctionnements quand même, liés encore une fois
à la corruption qui entame encore le processus, les finances publiques de ce pays, mais aussi des défis structurels qui ne sont pas inhérents à sa gouvernance, mais qui sont beaucoup plus structurels, notamment compte tenu de la construction des institutions dans ce pays depuis la gouvernance et l'administration de son père. Oui, parce que Malik, hein, quand on regarde un peu le pays, on a quand même l'impression, hein, que le plan stratégique Gabon émergent porte un peu ses fruits. Hein. On a une diversification économique qui a été impulsée, une industrialisation, une filière bois qui a été beaucoup dynamisée. On ne peut pas nier qu'il y a eu de véritables mutations économiques, hein, sous la présidence d'Ali Bongo. Oui, vous avez raison. Il y a vraiment un souci de diversification économique et je dirais qu'il est d'autant plus important maintenant au regard de la situation internationale et au regard des prix de la baisse des prix du baril. Oui, il y a nécessité de diversifier l'économie du Gabon. C'est un pays qui a tous les atouts. Vous parliez de la filière bois. C'est une filière qui a été relancée effectivement ces dernières années grâce justement un peu à cette manne pétrolière, à cette manne gazière qui a été redistribuée vers les secteurs qui peuvent permettre au Gabon d'accroître son potentiel économique et dynamiser justement sa croissance. Donc effectivement, difficile de juger en 5 ans comme ça un plan qui demande beaucoup plus d'années parce que la relance de l'économie requiert beaucoup plus d'années et requiert plus d'une décennie même pour le cas du Gabon. Maintenant, effectivement, il y aura cette opposition qui va essayer de pointer les fragiles fondamentaux de cette économie parce que l'économie gabonaise est encore fragile et la diversification prenant du temps, on ne peut voir une économie gabonaise être consolidée sur le court terme. Alors, dans les classements sur la corruption, la compétitivité ou encore le climat des affaires, hein, Samuel, le pays s'améliore, mais encore trop lentement. Vous l'avez évoqué, hein, très rapidement lors de votre première intervention. C'est peut-être là que le bât blesse au niveau du Gabon. Oui, c'est à ce niveau-là que le bât blesse, notamment pour l'immense majorité de la population, puisque cet argent qui est destiné à la construction des infrastructures de base, notamment les centres de santé, les écoles, développer les ressources humaines parce que le Gabon en a cruellement besoin au cours de ces dernières décennies. C'est un secteur qui n'a pas été suffisamment développé. Et donc, c'était un très mal porté à l'endroit des politiques sociales, oui. Oui, Malik, les chiffres sont là. Plus de 5 points de croissance en 2014 et près de 5 points, il me semble, en 2015. On a quand même comme l'impression que les fruits de la croissance ont été très mal redistribués. Oui, c'est tout le problème des pays rentiers. Il y a un investissement public qui est important, qui est massif, mais les retombées économiques ne sont jamais au rendez-vous. Ce n'est pas le cas pour le Gabon. Beaucoup de pays pétroliers investissent énormément dans le social, dans les infrastructures publiques, mais derrière, il y a ce manque d'entraînement de l'économie et des acteurs privés qui ne participent pas toujours assez à cette croissance économique. Donc d'où la nécessité de la diversification, d'où la nécessité aussi de relancer, la sous-région parce que le Gabon doit davantage commercer et avoir des investissements, des échanges, avec les pays de la région. Et c'est là aussi l'autre croissance du Gabon. On ne peut pas miser que sur cette croissance externe avec les partenaires internationaux. Il faut surtout miser avec les pays africains de la région. Et on va parler d'un autre pays rentier, il s'agit de l'Algérie puisque c'est officiel. Le pays a été élu par acclamation ce lundi à New York à la présidence de la Commission des Nations Unies chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale. Premier organe onusien en charge de ces questions, cette commission aura pour mission, entre autres, de lutter contre la prolifération des armes dans le monde et de veiller à la sécurité internationale. Une mission que prend très au sérieux le gouvernement algérien. C'est un sujet qui nous a été réalisé par notre journaliste Déo, grâce à Squado. Succès diplomatique pour l'Algérie sur la scène internationale. Lundi 13 juin 2016, le pays a été porté à la tête de la première commission des Nations Unies chargée du désarmement et de la sécurité internationale. Cet organe onusien traite des questions liées au désarmement, à la non-prolifération des armes nucléaires et à la sécurité internationale. Il a également pour mandat de formuler des recommandations à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies dans les domaines de sa compétence. La conférence de désarmement des Nations Unies, cette commission était un peu en hibernation depuis plusieurs années, ça ne fonctionnait pas. Et l'Algérie qui a été élue par acclamation va essayer de faire bouger certains dossiers, parce que l'Algérie était ce pays qui a
entend parler et évoquer le trafic d'armes, notamment dans la zone sahélo-saharienne, la Libye qui est devenue un véritable dépôt d'armement et qui alimente les groupes terroristes, les groupes djihadistes dans toute la région du Sahel. Cette présidence algérienne va donc faire élever peut-être la voix de l'Afrique, parce que l'Afrique est souvent mal écoutée dans les grandes conférences internationales. Pour les autorités algériennes, cette élection à la tête de l'institution onusienne témoigne de l'engagement du pays en faveur de la réalisation des objectifs de désarmement et de non-prolifération des armes nucléaires. Médiateur dans de nombreux conflits et paradoxalement victime des conséquences de l'instabilité dans la région, l'Algérie reste malgré tout en première ligne de la lutte contre les mouvances terroristes. Depuis janvier 2016, le dispositif militaire autour de la frontière avec la Libye a été renforcé. En avril, une cache contenant 127 armes de guerre, des moyens de liaison et une grande quantité de munitions a été découverte dans une localité au sud-est du pays. Il y va de l'avenir de tous les Africains. L'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie qui est également un pays arabe, membre de la Ligue arabe, ce pays-là pourrait jouer effectivement un rôle important, notamment dans ces dossiers sensibles. L'armée algérienne arrive à découvrir des dépôts importants d'armement, y compris de missiles, etc. Et donc, cette présence de l'Algérie en tant que voix africaine, en tant que représentants arabes et méditerranéens à l'ONU va faire attirer l'attention sur cette question, surtout que la conférence des Nations Unies sur le désarmement a été quelque peu mise de côté par les instances onusiennes en raison d'autres conflits. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies prendra officiellement ses fonctions durant la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La rencontre s'ouvrira en septembre 2016 à New York aux États-Unis. Y prendront part plusieurs centaines de délégations venues des quatre coins de la planète. Le discours de l'Afrique portera essentiellement sur la paix, la sécurité et le désarmement. Malik, pourquoi l'Algérie, selon vous, pourquoi a-t-elle su faire la différence ? Parce que c'est un partenaire aujourd'hui qui est incontournable dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a le soutien des grandes puissances, notamment les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, dans ces questions-là, parce qu'elle a l'expérience. On connaît son vécu, elle a passé une période difficile et elle a réussi à anéantir ce terrorisme de masse, parce que l'Algérie était l'un des seuls pays justement à vivre ce véritable terrorisme de masse avant qu'il se soit, je dirais, internationalisé davantage, parce qu'il s'est internationalisé, mais c'est d'autant plus internationalisé quand il y a eu ces problèmes qui se sont déroulés notamment dans les pays arabes, de révolution et donc de défis sécuritaires à mener. Donc oui, c'est par, je dirais, par confiance que les pays ont destiné cette fonction à l'Algérie. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce pays arrive à relancer certaines questions. N'oublions pas que l'Algérie, par exemple, avait évoqué la nécessité de ne pas payer les rançons lors des prises d'otages. Et c'est une idée qui fait son chemin et qui a été adoptée par plusieurs États, même si certains essayent de passer par un autre procédé en laissant les entreprises, par exemple, payer à leur place. Mais il y a cette crime. Voilà, par exemple, quand il y a eu le cas au Niger avec Areva qui a payé une rançon pour libérer les otages. Mais je pense qu'elle a véritablement un leadership dans ce domaine-là. Elle le confirme davantage, elle le confirmera dans le futur. Effectivement, c'est une chance pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique, de pouvoir s'exprimer à cette commission. L'Afrique qui n'est pas vraiment entendue au sein de l'ONU, au sein des commissions qui relèvent de l'ONU. – Surtout au niveau de ces dossiers sécuritaires. Oui, c'est vrai, Samuel, il est important de rappeler que l'Algérie est l'un des premiers pays à avoir lutté intensivement contre ce genre de terrorisme dans les années 90. Le pays a aujourd'hui une expérience qu'on ne peut pas nier. Oui, je dirais d'abord que c'est un succès diplomatique pour l'Algérie, pour plus de visibilité internationale. L'Algérie a bien évidemment de l'expérience en matière de sécurité internationale, compte tenu de sa capacité de résilience, notamment sur les questions relatives au terrorisme international. Maintenant, il y a des défis majeurs qui l'attendent. Le gouvernement ou la présidence de l'Algérie va devoir faire face à un problème qui a dépassé plusieurs présidences, notamment celui de débloquer la conférence du désarmement et aussi établir des zones exemptes d'armes nucléaires dans le monde. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement délicats. Visibilité internationale, oui, expertise sur la question de sécurité internationale, mais à ce niveau, il y aura une grosse bataille, un pari à gagner, parce que déjà il y a eu des recommandations pour cette première commission, qui n'est qu'une des cinq commissions de l'Assemblée générale,
avec un statut d'organe subsidiaire. Donc l'année dernière, on a formulé des recommandations pour que la conférence du désarmement soit débloquée. Et ensuite, des projets de résolution ont été formulés, mais il y a eu beaucoup de réserves, notamment sur la question de la production d'armes chimiques. Il y a eu beaucoup de réserves, il y a eu beaucoup d'abstentions. Il y a aussi eu beaucoup d'abstentions sur les questions relatives au commerce des armes. Donc voilà les principales préoccupations, voilà les principaux dossiers sur lesquels l'Algérie devra apporter son expertise. Simplement, quand on sait que au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale, ce sont les plus forts qui ont le dernier mot. Et à ce niveau, c'est une bataille que l'Algérie devra gagner. Oui. Je voulais dire un petit mot, rebondir sur ce qui a été dit concernant ces aspects sécuritaires. Comme il l'a bien dit, M. Hacher, l'Afrique n'est pas souvent entendue, pourtant elle a un message fort. Et aujourd'hui, nous voyons la prolifération de ces questions sécuritaires, que ce soit en Syrie, en Afrique même avec le cadre du Mali. Aujourd'hui, Boko Haram, pour ne pas le citer, sévit dans la région frontalière du Niger avec le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Pourtant, nos gouvernants ont attiré l'attention sur la poudrière de la Libye. Il a été clairement dit dans toutes les réunions internationales, et ça, nous pouvons confirmer que le président Mohamed Issoufou, par exemple, lors de toutes les réunions internationales, n'a cessé de marteler le risque qu'il y avait de désintégrer la Libye. Aujourd'hui, les pays du champ, comme on dit, payent les conséquences de cette inaction de la communauté internationale. Et voilà, j'espère que grâce à l'élection de l'Algérie à la tête de ces questions de désarmement, peut-être qu'un sérieux coup d'accélérateur sera donné. La Libye, foyer du terrorisme, c'est une analyse que vous partagez, que vous répétez souvent autour de ce plateau. Oui, effectivement, la Libye et les positions de l'Algérie ont toujours été critiquées au début, si vous regardez bien, lors des soulèvements libyens, syriens. La position de l'Algérie était très critiquée parce qu'elle avait prévenu du danger de l'interventionnisme comme ça, non préparé, du fait des nations occidentales. Et tout le monde avait dit l'Algérie est réservée, l'Algérie est contre les changements politiques. Et finalement, elle avait raison, notamment sur le cas libyen et sur le cas syrien. On ne peut pas transposer les modèles. Ça ne veut pas dire qu'en Tunisie, ça a marché, ça marchera en Libye, en Égypte, en Syrie ou ailleurs. Le contexte historique, le contexte social est tellement différent selon les pays arabes qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain d'appliquer un même modèle. Je pense que l'Algérie, justement, le fait qu'elle ait prévenu les pays occidentaux et les autres pays de la communauté internationale sur les risques, justement, de terrorisme, parce que c'était vraiment le sujet qui a été mis en exergue au départ, l'Algérie a prévenu de ces dérives-là. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.